tout le monde est de retour sur Lies of P. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Voilà, je le fais maintenant comme ça. Toujours changer. Ah, c'est nouveau ça. On est sur Lies of P. On avait peut-être fini l'usine, peut-être pas. Ah bah attendez, j'ai acheté la pierre. Ah non, je me suis dit je veux pas l'acheter. Je me suis dit je vais pas l'acheter parce que je vais peut-être la débloquer après. Dans les autres trucs, je les ai achetés parce que ça coûtait 500. 500. Attendez, je vais peut-être me booster. Monter de niveau. Me booster un peu, genre mobilité. Hop. Très bien, hop. Full mobi. C'est porté vers un autre Stargazer, centre de l'atelier de Venini. Résultat, on est plus doué qu'un renard et un rat. Attends, c'était quoi, un renard et un chat? Est-ce que nous sommes une marionnette et pas des êtres humains? Alright, so... Bah, y'a plus que par là, en fait. Beaucoup de cadavres de marionnettes, dites-moi. Est-ce que c'est un passage secret ici? Un mur invisible, est-ce qu'il y a ce genre de technologie là-dedans? C'est une mine ça? Ouais, c'était 100% de mine. Ok. Me présente un nouveau potentiel danger. Bonbonne de feu. C'est acheté ça? Ça doit être un truc acheté. Bonbonne de feu, crimson de flamme au point d'impact. Ok, ok. J'évite les explosifs, tout va bien. C'est con, je peux pas faire comme dans... je peux pas les porter sur moi les bombes de feu là. Faire comme dans d'autres jeux. Ouais, c'est... Je croyais qu'on pouvait les péter mais non. MDR. Regardez-moi ces abrutis. Ok, on est dans les mines pour l'instant, mais... Il y a une sortie, hein, parce que là, on s'enfonce. Timoud le village. Timoud le village. Donc ça manquait une mine. Je peux éventuellement tomber. Bon, il y a une échelle pour monter. Ah bah oui, s'il y avait des gens comme ça, s'il y avait des explosifs, faut forcément qu'il y ait des lanceurs de feu. Hop là. C'est... Ah c'est un coffre ! Un coffre franc-maçon. Tête de grosse clé à griffe, poignée de grosse clé à griffe. MDR. Les armes sont très cool. Hein. Ça c'est l'épée de... Ça c'est l'épée de Blade. Ah, des techniques. Ah, c'est elle qu'il fallait que j'améliore. Ah non, mais technique, non, ça m'intéresse pas. B. D. B technique. B, B.
B progression, ouais, faut que je me focus progression résultat. Je veux continuer à jouer avec ma matraque. Je peux pas lancer un objet. Genre, hop. Quand il arrive. Non, mais non. Mais t'es idiot. Ça fait pas de dégâts à cette merde là. Ah bah c'est qu'il y a du monde ici. Merde, c'est pas cette arme que je voulais. C'est pas ça que je voulais faire, mais tranquille. En vrai, cette arme est cool. N'allez pas focus sur ce que j'aime. BD, ouais, je suis en mobilité. Donc, petite mactrac électrique. Courte portée, mais ça reste intéressant. À un moment, faut que je me soigne par contre. Par là. Ah ouais, je l'ai vu que c'était un truc à péter, mais moi je n'ai vu que le loot. Pierre de lune sombre du contrat. Ok. Oh non, 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 j'étais pas prêt. Excusez-moi, j'ai rien dit. Ça lui fait des dégâts un peu. C'est de la merde, mais. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, j'ai un peu de mal. Mouvement trop ample. C'est les grosses choses, mes frères. Tellement loin. Tellement loin. Il n'y avait pas de Stargazer. Imagine que Stargazer était juste à côté. Juste après. Me connaissant. Mais non. Mais non. Mais putain. J'entends bien qu'il y en a un derrière qui arrive là. C'est ça que je voulais faire. Bon, vas-y, ils prennent... Ça me permet de changer... Hop ! Attention, derrière. Ouais, surchauffe, elle peut redescendre les EP. Ah mais non mais... Ah... Faut quand même que j'aille le chercher en haut. Ah sinon il va me faire chier. Quel enfer. Hop.
Faites chier. Vous me faites chier, vous me faites utiliser trop de soins en fait. Est-ce qu'il me voit encore si je suis en bas là? Il me vise encore de là? Ça a pas l'air. Me saoule. Ah ouais, j'avais pas vu ce genre de ce qu'il faisait derrière. Ah là là là. Relève-toi. Mais non. Plaisir. C'est cool, me saoule. J'arrive pas à lire ses mouvements, donc... Je dois refaire toute la zone avant de l'affronter, sinon... Ensuite, je peux aller le chercher dans le couloir, mais il y a... Les autres teubés là qui vont m'attaquer en fait. Ah, en plus, toute une corée à apprendre juste pour essayer d'y arriver. Éviter les barils. Ok. Right. Ok, bah à part les bidons. Ensuite je peux recharger mon truc. Je vais utiliser ma charge de légion. Ah, faut que je m'en débarrasse, hein. Ça, je vais me faire piéger. Ah oui, ça redonne que dalle. Quitte à... Aïe. D'accord, il fait sa petite tapette là.
Ah ouais, c'est son coude qui m'a touché. Ah non, ça me... ça... Non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il me saoule. Quoi? J'étais bloqué par une herbe? Ah, il me saoule! J'ai pas envie de prendre de risque de parade parfaite, résultat j'esquive. Non, le coup de bloquer par une herbe là... une herbe qui n'a pas lieu d'être de me bloquer. J'ai fait une roulade sur place quoi. Au secours. Ah, c'est tellement loin. J'ai tellement de choses à faire. Pour juste atteindre la zone. D'abord la jambe gauche, d'abord la jambe droite, ensuite la jambe droite. C'est toujours la même chose. J'ai atterri sur un hydro-explosif, c'est ça l'idée ? J'ai rien à lancer là, pardon. Pierre de lune cachée, oh. That's good. J'essaie de me couvrir mais... Excusez-moi, je vois pas ce que je fais là. Pfff. Dang god. Oh, relou sur 20 ce mob. Ok, c'est bon, je peux continuer. Dis-moi, il y a un Stargaze derrière là, parce que. Je vais éviter de quoi, on sait jamais. Entendu comme un début. Oh, un Stargaze. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il était juste là. C'était obligé. Les devs vont penser à un truc en se disant eh, on va mettre un mob qui est chiant en couloir juste avant Stargaze. Ils pourront le skip, mais comme le couloir est tortueux, ils vont pas le voir. C'est trop drôle!
Ah, on est en train de changer de ville là. Ok. Où est-ce que... J'ai pas compris où on allait. Il y a effectivement beaucoup de cadavres. Bah non. J'ai plus d'armes, loulou. Ah, vous savez quoi, j'ai fait le toto en fait, je vais recharger mes Stargaze. Donc de nouveau, on va y en avoir un à gauche. Et de 1. Bonjour. Ah bah oui. Voilà, petit mood RE4 là. Avec les... Ah toi. Toi, tu vas pas rester en haut très longtemps. Il a peur, il sait que je viens le tataner. Il savait. Ouais, il y a plein de trucs en bois. Est-ce que tout se casse? Fragment de météorite, trou à dents de scie. Lame de scie, ah, j'ai cru que c'était... Termite, ok. Rien de très folichon. Oh, on est d'accord, ça j'ai pas fait. Une échelle pour remonter éventuellement. On va rester à cet étage pour l'instant. On va voir ce qui se trame dans les environs. Bien sûr. Non, c'est pas drôle. Bon bah, au final on va visiter en bas. What? Ok. Y'en a d'autres? Qu'est-ce que ça mène là? Ah, ça pue là, ça pue, y'a des barils explosifs partout. Ça y'a un truc qui va sortir de derrière ce mur. Qu'est-ce que c'est ça? Guide de la ville de Claire de Lune. La ville de Claire de Lune est l'endroit le plus bas de la ville, c'est là que les pèlerins préparent leur voyage. Depuis que Sainte Francesco a rencontré l'ange à une seule aile, la ville de Claire de Lune est célèbre pour être le lieu d'où les pèlerins sont hissés dans la cathédrale grâce à une poulie. Et où ils se préparent pour leur pèlerinage. Okay. À une poulie. Il y a un ascenseur à cause d'un truc dans le genre. La réputation d'Andreus était à son apogée lorsqu'il a été nommé prêtre. À l'époque, Crate n'était qu'une pauvre bourgade de campagne, mais cela n'a pas empêché Andreus de se consacrer à ses habitants. On disait même que San Francesco en personne était de retour. La ville de Claire de Lune a participé activement aux bonnes actions du prêtre et a toujours été à ses côtés pour transmettre la parole de Dieu. La décision d'accepter les alchimistes de l'extérieur et de donner vie à Crate a été prise à la ville de Claire de Lune. Après tout, c'était le berceau de la ville de Crate que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les téléphériques ont remplacé les poulies et la ville du futur a remplacé la bourgade de campagne. Mais nos vertus restent les mêmes. Comme l'ange qui a pris San Francesco dans ses ailes lorsqu'il est tombé dans le froid, les gens devraient s'entraider. L'endroit plus bas que les autres, la ville de Claire de Lune est la preuve que la vertu demeure. Ah, les bas quartiers quoi. Bas quartiers qu'on visite pas en premier, donc c'est que ça pue du cul quoi. C'est ce que je comprends à peu près. Ah ok, je peux casser ces lumières aussi.
Ok, ok, bonjour. Bon, quelqu'un bougeait là sur le côté à droite. Non, à gauche. Il vient par là. Mais si, non, j'aime trop le grappin. J'aime trop. Si je pouvais avoir un finish move avec le grappin. Vraiment trop bien le grappin. Ok, il y a différentes tombes là. Petit cimetière. Pas grand monde. Rien d'autre ici là. Oh, mais c'est, ça a l'air grand la zone. C'est que de l'extérieur. Ah, résultat, on respire un peu plus que. Un peu plus que dans l'usine là où c'était vraiment des petits couloirs tortueux. En horizontalité, en verticalité. 1, 2, 3. Ah ouais. T'arrives ? On peut presser ! Oh le piège, je suis tombé. Ça sentait le piège. Il s'en était vraiment. Fragment de météorite, ok. Ah derrière ! Là, vous me mettez un grand espace vide avec des planches. Et vous me dites y'a rien à récupérer ou à casser. Oh, un petit coffre franc-maçon. Convertissant de résistance à la corrosion standard du syndicat de l'atelier. Est-ce que les objets de stuff peuvent avoir des noms encore plus longs, SVP? Attends, j'ai des nouveaux là-dedans. Ah! Taux de réduction de dégâts physiques. Ah! Taux de réduction de dégâts d'acide, résistance au feu. Ok. Résistance aux décharges électriques amoindries, résistance à l'acide. Vas-y, je vais prendre ça, j'imagine qu'il me sera utile à un moment ou à un autre. Les nouvelles amulettes. Augmente la limite de poids. Ouais, en vrai. En vrai, ouais. En vrai, ouais, de ouf. En vrai, ouais, de ouf. Si je pouvais avoir deux armes, vraiment, ça serait cool. Genre celle-là qui est en plus deux, là. Légèrement lourd. Mais même en augmentant la limite de poids, bah, ouais, vas-y. Augmente la limite de poids. Dis quoi, sinon les marionnettes ont beaucoup marché, donc... pour leur marée stérile. Attends quoi? Pour les leur dernier pas pour les marées stériles, le tombeau des marionnettes. Ah. Muette de porteur. Ouais. Objet utilisable, j'ai une nouvelle chose. Améliore une arme normale jusqu'à plus 3, ça c'est pour du plus 6, et ça c'est améliore une lame d'arme spéciale. Ah, ça veut dire que j'ai pas eu d'arme spéciale encore. Curieux. Bon, j'ai rien vu d'autre dans mon sac. Putain, faut que je la revende, ça me sert à rien. Ça me sert absolument à rien. Je vais pas faire d'invoque, donc... Lame de scie. Beaucoup de lame de scie, donc peut-être favoriser l'entaillement. C'est ça qu'on est en train de me dire. J'essaie de le casser, hein, je suis désolé. Ah. Non, là je suis désolé les gars, vous avez chié dans la colle. Vous auriez pu me mettre quelques trucs pour me bloquer plutôt que de me donner l'impression que je peux passer par là. C'est trop calme. Beaucoup, 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 beaucoup trop calme. Beaucoup de cadavres. Ils ont l'air de dater les cadavres, non? C'est des squelettes ça? C'est juste ils sont archétiques. Ah c'est quasi... Ouais non c'est du squelette. Donc ça date ces cadavres. Donc peut-être que le problème qu'il y avait à la ville ne vient pas de la ville. Ah! Bah bonjour! Bonjour monsieur! Madame ? Do you want to go up, child? Madame, l'expiatrice. I'm sorry, but the train isn't in service anymore.
The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened. D'accord, bon, la cathédrale qui pue, quoi. Bah c'est moi, Pinocchio, tu me connais pas, ma gueule. Faire le salut des rôdeurs. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Ok, ok. L'ergot réagit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quand je dis du caca, ça se passe mal. Et du téléphérique. Ok. Oh, j'ai combien de. J'ai pas mal de petites fioles d'ergot. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. J'aime bien son personnage. Just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. On voit l'usine et tout. So, thanks for building it on a cliff, Saint Frangelico. I kid. On s'éloigne de ouf de la ville. Wonderful. Anyway, next stop. Le pont de l'expansion, impatient. Don't miss a magnificent view of a beautiful crot. It's been my pleasure, friends. Ah, magnifique vue. Ouais. J'ai peur ce genre de cité industrielle. Il y a un petit mot de Gotham. Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. Ouais, mais parle-moi plus souvent, Gemini. Tu me fais marrer. What I do. Ah, I'm sure it's fine. Non, ça va, tranquille. Et on m'a pas installé le rire quand j'étais marionnette désarticulée. Oui, je vois Resident Evil 4. De quoi tous les cadavres là? C'est des marionnettes? Je vais peut-être affronter des êtres humains. Ah! C'est un être humain ça? Ah, la pétrification qui a tourné mal, c'est vrai, on avait parlé de ça. Ok, donc quand je disais Resident Evil 4, j'étais pas si loin de la vérité en vrai. Ok. Attends, je vois l'ambiance hein. Personne pour m'accueillir. Hein. Aussi, ça sent le piège. Pierre de lune cachée. Les carcasses craignent le feu, donc leurs fluides corporels sont les carcasses. Ah! Donc ils aiment pas le feu. Ah, mais en feu, tout ce que j'ai, moi, c'est. Et ça, et c'est pas ouf, quoi. Je vais rester sur ma massue, hein. Tant pis si ça craint le feu. Un peu plus résistant que les marionnettes, hein. Viens à moi, j'ai senti que tu voulais t'approcher. Je suis au Stargaze, mais je l'ai pas vraiment activé.
C'est sûr. Et... esquive. Tout un chemin pour esquiver ça. Et toi? Bah alors, tu veux me faire une surprise? Je suis désolé, je suis arrivé un peu tôt, t'étais mal caché. Bonsoir Epsilon, comment on va? Aïe. Voilà, j'ai eu le chat. Et je me fais tabasser. Ah, il y avait un truc là. Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, un peu fatigué. Bon, on a du boulot en ce moment, donc c'est plutôt cool. Là, je dois bosser un peu après le stream. Mais c'est au risque du métier. Ah! Ah, donc si je voulais passer par là, en fait, je suis obligé de faire le tour. D'accord, ok. Pour ça que je ne... Sorry. Ah, pour ça que je ne parle pas dans le chat, après tu perds et tu dis que c'est de ma faute. Mais ça, c'est la technique de tous les streamers, ça. Nice pour le boulot, moins pour le fatigué. Ouais, mais ça va, c'est des boulots cool. C'est des boulots cool. Là, le dernier est très très cool. Bah écoute, sauvé par mon greedy. Et puis là, petite découverte de Lies of P, je l'avais commencé vendredi là avec le Early Access. Ah, mais je peux pas rentrer là-dedans là. Petite découverte plutôt sympathique. Ça sent que c'est un... Je crois que c'est un premier jeu, mais... Il y avait rien d'autre ici. C'est celui dont parlait Madame Celle la dernière fois. La dernière fois. En même temps, je sais pas si tu écoutais. Ah ouais, mais quand t'es passé au bureau et que je bossais... Ah ouais, non, j'écoutais qu'à moitié. A parler de quoi, disait quoi sur le jeu? Non, lui il vient de sortir, mais Baldur's Gate? Quand je suis venu manger du goûter. Ouais, mais je sais plus. Alors peut-être qu'on parlait plutôt de Baldur's Gate. Parce que Lies of P, j'avais complètement zappé. On n'a pas entendu parler avant que ça sorte en fait, donc je pense pas. Lies of P, il vient de sortir. En fait, j'avais zappé qu'il sortait en septembre. Alors que ça fait depuis qu'il a annoncé que j'attends qu'il sorte. Parce que l'univers a l'air trop bien quoi. C'est l'univers de... L'univers de Pinocchio adapté dans un jeu à la Bloodborne. Non, pas de jeu, ça, le boulot. Ah oui, d'accord. Bien, en même temps, sûrement. Sûrement, ouais. On peut le dire. Ouais, celle je te laisse ton orc. Sûrement bonne nuit du coup si je ne voudrais pas. Bon, vas-y, à plus tard chez qui. Oui, mais je veux pas dire de quel boulot il s'agit si c'est confidentiel. Bah non, non, je crois que c'est pas confidentiel, non. Bon, ouais, c'est le boulot pour DC. Non, maintenant c'est fini là. J'ai quasiment fini. En fait, j'ai fait la vidéo qui était qu'on devait rendre très rapidement. Et là, je vais m'attaquer à la version longue. Ouais, que je devrais faire dans la semaine. Ok, donc ça c'est l'église et tous les cadavres dehors. Mais en fait, ils sont tous transformés à l'église. Prière d'une femme. Dieu, je prie de tout mon cœur, épargnez à crade votre colère comme vous avez protégé Saint Frangélico avec les ailes d'un ange, sauvez-nous. Si le jugement était inévitable à cause de notre corruption, que votre colère épargne moins mon enfant, ce bébé n'a rien fait de mal. Je vous en prie, laissez ma Charlotte entrer au paradis. Bah, elle est entrée au paradis sûrement. Si quelqu'un trouve un jour cet endroit, priez pour nous et sachez qu'il règne une profonde tristesse. Je n'ai pas entendu parler de ce jeu. Bah, il était annoncé il y a 2 ans, je crois, Summer Game Fest, ou il y a 3 ans, un truc du genre. Et en fait, c'est un jeu coréen. Sud-coréen, bien sûr. Hein, non, c'est un jeu coréen bah, qui puise ses inspirations dans les jeux de FromSoft, Dark Souls et tout ça. Mais avec l'univers de Pinocchio. Un peu plus simple pour l'instant, je trouve, que les jeux de FromSoft.
Non, il y a des robots qui parlent une langue que je ne parle pas pour l'instant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui joue dans les streamers que je suis. Oh, il y a des bruits sales derrière là. Un peu de liberté de zone. Non, moi je viens de là. Non, je viens pas de là. Non, je viens pas de là. Bah, il y a quelqu'un. Bonjour. Un chemin simple. On dirait que je pourrais passer par là aussi, mais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Bien, bonjour. Don't kill me. Ah, il a le Covid, lui. Boutano. Comment va? La forme? Depuis tout à l'heure, ouais, on se parlait tout à l'heure. My name is Janjo. I'm an alc. A pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin. Pharmacien malade, yes. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Je veux des médicaments. I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. On peut fatiguer. Balade de Guillaume. Guillaume le chevalier du roi a trouvé... qu'est-ce qu'il... pourquoi ? Trouver l'arbre luisant sur la montagne rocheuse, le fruit de cet arbre ressemble à des pièces d'or, et ce fruit est une bénédiction miraculeuse car beaucoup de gens ont été guéris de diverses maladies et ont pu échapper à l'épidémie. Le chevalier euphorique a construit un château et s'est fait appeler le chevalier saint. Mais ne l'oubliez pas, les miracles ont toujours un prix, aussi fascinant soit-il. Vous allez chercher la terre promise quand l'ange étend ses ailes et embrasse les saints, j'ai pas eu le temps de finir. Le froid n'a plus d'emprise. Ok, froid, élévation, petit coffre de franc-maçon. Vas-y, un truc incroyable, s'il te plaît. Cartouche de fracture de Belfort. Ah, attends, j'ai peut-être des trucs. Taux de réduction de dégâts physiques. Alors mec, Daryl Dixon... Non, j'ai pas commencé encore. Non, c'est vrai, putain, faut que je me connecte. Eh ben, tu sais quoi, je viens de finir... je viens de finir le True Crime que je matais là sur les tyrans et les dictateurs sur Netflix. J'ai plus grand-chose à mater, donc ouais, je veux sûrement... Faut que j'y pense. Si c'est sur ECS, je peux regarder. Mais non, j'ai pas encore commencé. Et je crois. Il y a deux épisodes. Mais je crois que c'était. C'est fini. Mais j'ai cru voir que c'était le dernier épisode. Il y a que deux épisodes. J'ai pas compris. Taux de réduction des dégâts physiques, résistance à la disruption. J'enlève. Je descends la disruption et les chocs, mais j'augmente ma résistance aux dégâts physiques de 0,3. Résistance aux fractures. Mais je vois pas c'est quoi la fracture. Ça bouge le système, mais renforce la résistance à la fracture. Cartouche mise au point par l'atelier supérieur Belfort. Alors, j'imagine que la fracture, c'est un truc que je vais affronter là. Bon, je vais le mettre au cas où. Non, je crois pas. Non, c'est pas le dernier. Et y a pas que deux... Non, je crois pas, c'est-à-dire... C'est pas le dernier, y a pas que deux épisodes, c'est ça que tu dis? Un petit Stargaze dans le coin là. Attends, j'ai pas de remède déjà pour lui. J'avais une marionnette, mais j'ai. Je crois pas que j'ai rien. Il parle d'or. Faut lui faire un don. Ce serait possible. J'en ai vu un là, mais ouais, le deuxième est sorti hier et c'est un par semaine. D'accord, ok, non, il est pas fini. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai vu un post Facebook parlant du dernier épisode. Je crois qu'il y en a 6. Donc j'ai l'impression que c'était sorti, mais non, non. The precise dose, the gold coin fruit might just be a myth. Can you let me know it? Cube, pierre à souhait de récupération. Quoi? Il existe plusieurs types de pierres à souhait qui peuvent être équipées sur les cubes. Qu'est-ce que c'est? Utiliser des cubes consomme des pierres à souhait. Vous pouvez équiper une pierre à souhait sur un cube et le régénérer en parlant avec Janjo ou en utilisant un Stargazer. J'ai raison de leur parler. What? J'entendais pierre à souhait, non pas pierre à souhait. Pierre à transpi. La pierre d'Alain. Il y a un petit mot de Bioshock que j'aime beaucoup dans le lore aussi. L'ergo, tout ça. Changer la pierre du souhait à souhait du cube.
Bon, les habitants de l'ancienne crate savaient comment capturer un souhait à la bonne étoile. Les pierres à souhait pouvaient être insérées dans un cube fabriqué à partir d'une météorite afin de manifester des pouvoirs spéciaux. Vous pouvez équiper une pierre à souhait sur un cube depuis un Stargazer ou apparemment un Junjo. Il existe différents types de pierres à souhait qui octroient différents effets. Utiliser un cube consomme une pierre à souhait. Ok, mais ça fait quoi? Restore temporairement les PV. Cristal mythique pouvant être équipé sur un cube, imprime le cube d'un effet spécial de cristal mythique. Ouais, quantité dans le sac 1, quantité en stock 0. Ok. Il y a Ahsoka aussi, même si elle me sort par les trous de nez, à être partout. À être partout. J'ai rien vu. J'ai vu, je pense, une pub pour Ahsoka. Alors que je suis tout le temps sur YouTube. Et même, j'en entends pas parler. Alors, à être partout, je pense que t'exagères. Quand il y a des trucs qui sont. Quand il y a des trucs qui sont partout, enfin moi c'est peut-être moi, mais peut-être que c'est aussi ton truc de ciblage vu que t'es beaucoup fan de Star Wars, mais moi j'ai rien vu encore. J'ai pas vu Clone Wars. J'ai pas vu Clone Wars, je peux pas regarder Ahsoka. Dans les pirates. No safe place in the world. No place. I'm headed to... The people of ancient Krat knew how to bottle. They claimed special powers after the Clone Wars. La série a apparu dans toutes les séries et films. Bah, il préparait le truc pour la série, il l'avait annoncé. Mais j'ai pas tout le lore. Non, je suis en retard. Il y a Animus aussi qui me casse les pieds en me disant qu'il faut que je regarde Clone Wars. Je sais qu'il faut que je regarde Clone Wars, mais il y a 7 saisons. Ensuite, il y a Rebelle. Comment ça marche la pierre à souhait? Je le mets là-dedans, là? Ok. Mais ouais, Clone Wars. Non, mais je peux. En vrai, Ahsoka, ça a l'air bien, mais je sais que ça va être un truc qui va être ultra référencé à l'univers de Clone Wars. Et je vais rien biter et ça va me saouler. Je retourne au Stargaze parce que j'ai pas de stuff, j'ai rien. Quoi, 44 notifications? Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? En gros, maintenant que Dave Filoni a repris Rennes, bah, il a voulu créer son perso à lui emblématique et du coup il la fout partout. Non, je dirais que c'est. Non, moi je dirais que c'est juste la. C'est le marketing de Disney habituel, hein. Il n'y a pas de. Ils ont fait pareil pour Andor, hein. Il était partout à un moment. Ouais, tu veux dire, ouais, dans les productions. Attendez, désolé, faut. Madame Seth vient de rentrer. On va remettre la cam à peu près correctement. Vas-y, à toutes. Désolé, les petits détails de taf. Détails de taf, comme je disais, je vais sûrement
bosser un petit peu après le stream, changer la pirasse. Donc tous les mobs sont revenus. Allez, à plus les loulous. Ah, ça remet le pont, c'est drôle ça. Ok. De quoi? Non mais arrête. Mais tu sais que... On commence. Ah, je vais... Oh. Attends. Non, elle a rien dit. Aucun. Et si, pas ce genre de choses en tout cas, si elle veut dire. Trop parano, ma gueule. Hein. J'ai voulu faire le malin et au final, je reviens avec. Je suis autant blessé que. Est-ce que je voulais éviter d'être blessé? Non, mais c'est bien, je suis même pire. Non, aucun rapport, on a d'autres problèmes en plus en ce moment. Donc non. Non non, c'est que pour le taf. Bissou. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais à gérer depuis tout à l'heure. Ah. Voilà. Non, ce que je disais, c'est que bah, je vais bosser après parce que je dois rendre un truc pour les États-Unis juste après là. Jusqu'à leur fin de journée, résultat. Ah ouais, ça m'a niqué mon bras carrément. Ah ouais, c'est ça, c'est pas une cathédrale ça. Ça c'est une ville, c'est le Vatican ça. Ça c'est des mêmes trucs, je reconnais. Il y a eu bon d'arriver, c'est pour ça que tu galères. Je comprends pas. Pas compris. J'ai pas compris. Arrête, je t'ai dit d'arrêter. Ma présence t'efface. Eh, tu recommences. Hein. Vraiment. Faut que je te le dise en quelle langue? En japonais? Né. Je suis couvert de merde? Je viens de capter ça. Très joli! J'aime bien être couvert de merde. Ah, c'est très beau! Ah, ils attendent je sais pas combien d'heures de jeu quand même avant de me balancer ce genre de. Environnement. Et tout le truc du tramway. Et j'aimerais trop le tramway, on va le prendre. Ça, c'est les problèmes, ça. À faire des. J'ai mes 9000 XP qui sont perdus ici, hein, mon dieu. Ouais, ça représente 3 niveaux maintenant. Oh là là, mais tous les zombies là. Comme ils ont tout le temps des boosts. Et je rêve ou il fait un peu plus nuit depuis qu'on est arrivé à la cathédrale, on est d'accord? Il fait pas aussi nuit tout à l'heure.
Je vais essayer de tracer, j'ai pas envie de me battre là, ça m'a gâché toutes mes potions, c'était un enfer. Ah, le jeu ça a assombri de ouf comparé au début. Là, le côté mausolée, là, il y a vraiment un mood. Ouais, y a vraiment un mood Dark Souls. Hein. Ah, par contre, toutes les petites merdes. Putain. Énormément de marionnettes. Résultat, c'était des marionnettes contre des robots. En vrai, j'aurais trop voulu regarder ça. Aïe. Je suis bon pour prendre une potion tout de suite. Aïe, il me saoule. Je manque de... Ouais. Je manque trop d'allonge. J'aime beaucoup la matraque. Abrasif acide. Mais ah ouais, résultat, ils sont acides. Mais c'est la pétrification qui a mal tourné. Je comprends pas, je suis très curieux. Est-ce que c'est le moment où en fait, genre, on a quitté la ville de Krat et maintenant c'est bon, c'est la fin de l'intro. C'est un endroit où pourrait y avoir plein de trucs dans un Dark Souls. Chapelle de la cathédrale Saint-Frangelico. Très joli à part les grosses marques de sang bleu au sol. Je vais réveiller le Stargazer. Hein. Attends, il y a un truc de nouveau là. Non, c'est juste la pierre à souhait. Bonjour. Ah bah c'est Janja. T'entends Janja, ça craint là. Vous qui avez pêché, trouvez la solution dans vos larmes. Seuls ceux ayant été purifiés, alors j'ai pas le temps de lire. Bon, allez de l'avant. Non, pourquoi il y a autant de sang dessus sur le pompe. Non, ça se casse pas ça. Très joli cet endroit. Ça aurait fait une belle arène de combat de boss. Autant pour moi. Partition de corps attaché. Partition originale et lisible car recouverte d'un liquide bleu collant. Ange, pourquoi nous avoir abandonné la cathédrale me fait peur. Je veux rentrer à la maison, chaque nuit un monstre pleure au sous-sol. C'est ça qui a les problèmes. Même si je chante des cantiques, je l'entends, je me sentirais mieux si l'archevêque était avec nous, mais il est occupé à prier. Quand j'entends nos prières, nous à rentrer à la maison, je t'en prie. Il y a une grosse ambiance, hein. Ok, quel est le tas de merde qui m'attend? Je dois aller là-dedans, là? J'ai l'impression que c'est l'idée, hein. Que je dois aller en bas. Ah bah oui, oui. Enfonçons-nous dans la caverne où il y avait une sorte de... d'insecte de 8 mètres de long qui... J'ai envie de tester des trucs, mais mon cerveau me l'interdit. Je vais retomber. À chaque angle, le réflexe de vérifier à gauche et à droite. Au premier abord, là. Ce
sentait la trappe de piège. Petite plaque piégée, je joue. Moi j'ai eu bon courage pour le taf et bisous à Madame Sel. Bah, je lui dirai. Allez, alors elle est pas là, elle vient de partir, elle était là juste avant. Tu l'as loupé. Ah ouais, décomposition. Ok. Décomposition. That's real. Et très vite la décomposition, activer tous les zombards. J'ai l'impression que non, mais... Est-ce que je retirerai pas ma petite... Oh, j'ai débloqué des trucs. Ah oui, outil de modification d'affûteuse, baleine noire. Là, une nouvelle pierre de lune. Je pourrais améliorer mon arme. Et... Endroit à collecter. Balade de Guillaume. Mais ça, je l'ai lu. Ouais, ça c'est lu, ça c'est lu. Il y a du monde en haut. Il y a du monde. Je voulais la pousser dans le vide, mais ça n'a pas marché. Tes masques qui m'attendent de l'autre côté. Au-dessus du vide, sinon c'est pas drôle. Ouais, je m'amène. Ah toi, je t'ai vu, hein. Allez, à plus. Attends, je rêve ou la décomposition, ça l'a soigné. Vas-y, viens. Viens. Ah ouais, non. Ah ouais, non mais je vois, ok. Comment on me forçait à venir alors que j'ai pas envie? Parce que je me dis que ton endroit, il pue. Ah ouais, tu dis. Ah ouais. Je vois le genre. C'est pas si pire, hein. Pas récupérer ta merde, par contre. Comment je vais là? Je comprends pas, il y a un mur. Comment je vais là-bas? Très jolie cette scène, mais j'aurais aimé pouvoir m'y balader de l'eau. C'est ça la pétrification? L'enfer. Quel enfer. Comment j'y vais? Peut-être derrière, mais je dirais que non. Ah non, je suis pas sur la bonne poutrelle là. Je vais mourir. Ah, je barre. Je barre comme ça. Ah. Ça fait longtemps. Petit coup de pchit. Ok, on est reparti. Oh, c'est chiant, il y en a partout. Enfin, et puis j'ai 10 000 d'XP, quoi.
1000 d'XP que j'aimerais bien ne pas perdre. Partout des cachets en fait. Il y en a un qui est caché là. Ah mais il y en a partout d'accrochés. Vas-y viens, viens à moi. Au cas où elle explose. Bon c'est bon, t'exploses pas mamie. Là je comprends que je puisse y aller mais... Là, je peux pas. Je peux pas, c'est de la merde. Bien, vous avez essayé de compliquer le chemin, mais... Ah, mais peut-être par au-dessus. Ah... Peut-être par au-dessus, là, je vois une plaque, là. Ok, vas-y, on va essayer par au-dessus. Ah, y a un truc en plus, là, là. Peut-être en sautant sur la plaque qui est là, justement. Voilà, c'est ça. Je galère depuis tout à l'heure pour rien. Je m'adore. Allez, à plus. Par contre, pour redescendre, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix en fait. Ah si, je peux repasser par là. C'est ça. Pas du tout. T'as voulu du loot. Bah tu prends des dégâts et tu te tais. La décomposition elle monte vite. Oh, le jeu est trop bien, j'ai trop envie de voir... J'ai envie de voir l'univers. Hein. Franchement... je kiffe, je suis très content de ma partie. Ah oui, je voulais changer de tenue, je l'ai pas fait. Je voulais voir un peu le visage de mon personnage. Parce que ça fait un petit bout. Allez dans l'équipement. Jeune freluqué. Ah ouais. Merci. Ah non! Mais quel idiot! Ah mais quel abruti! J'étais pas prêt parce qu'il y a une pale qui me... Je pensais que je pouvais passer tranquille. Pas du tout. Les gens ont bien appris de Dark Souls. Mais je lui ai même pas fait un dégât à l'autre. Résultat, est-ce que je pourrais pas... Objet utilisable, je jarte. Supprime les statues, augmente la résistance. Ok, ça, je m'en fous. Ils aiment pas le feu. Vas-y, ils aiment pas le feu. Je vais lui balancer des trucs. Je vais balancer des trucs.
Voilà, Nick. Bonjour. Je vous connais, vous. Voilà. Dis bien à moi. Y'a un truc là. Un truc là pour redescendre. Il y a un truc à récupérer quelque part, j'ai pas l'impression. C'est vrai que c'était le moment hein, de fouiller. Arrêtez, utilisons le cube de Destiny. Je gagne des points de vie temporairement, c'est pas mal. Moi ça va, ça a l'air d'aller. Hein. Je sais pas combien de temps ça dure. Ça va me remettre full. Parfait. Là, comment il présente le truc du cube, ça avait l'air d'être une utilisation unique en fait. Faut que je sorte de là. Faut que je me trouve un skip. Et que je sorte de là. Il y en a une autre qui m'attend là-bas là. MDR, en fait un seul ça suffisait. Quel teubé. Ça donne l'impression que tu pouvais le rejoindre d'ici mais pas du tout. Ok. Ok maintenant. Tout va bien. Je suis équilibriste professionnel. Ouf. Demi-tour là. J'ai même pas vu ce que j'ai looté tellement j'étais focus à essayer de pas tomber. Hop. J'imagine qu'il faudrait qu'on inverse toute la vapeur. Durabilité de l'arme, pierre aiguisée. LBX. Ah! Ah, c'est pas la. Ah, X, c'est. Ah, d'accord, ok, donc je peux. Ok, je l'ai pas utilisé tout à l'heure. Ah. À chaque fois, il y en a une qui monte là-dedans. Là. Ok. Il y a un angle où on peut... Non, ça donne pas cette impression. Ok. Je comprenais pas où la boule tombait, donc j'avais un peu peur. Oui, bonjour madame. Moi que j'ouvre un raccourci par la SVP. Faut qu'on continue de monter. J'ai pas envie de continuer de monter. Ah mais c'est infini MDR. Oh c'est une... Il vous faut la clé de la Trinité. Ah putain il m'a pas rappelé l'autre. J'ai pas eu de coup de fil de lui pendant depuis un moment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'y retourne? Je trouve c'est ça.
C'était devant l'entrée de l'usine, je crois, je me souviens qu'il m'avait contacté. Bonjour. L'archevêque est mort, les survivants doivent échapper aux morts. L'archevêque est mort dans son... Ah, ça serait l'archevêque, le... Ah là là, ah là là. L'archevêque est mort. Oh, l'écriture. Oui, oui, l'archevêque est mort. MDR. Fragment d'ergo faible, ok. Ah mais... Mais wesh. Je suis nouveau dessus là, c'est ça? Voilà, quel enfer. Voilà. Voilà. Oh là là. J'aime pas ça, ça va mal se finir. Pousser. Qu'est-ce que ça fait si je le pousse? Ok, info intéressante, ça prend feu. Bonjour madame. Excusez-moi. Je vais vous aider, vous avez l'air bloqué. La petite dame. M'entendez? 1, 2, 3, ouais, j'ai ça. Franchement, ouais. Eh, hey, madame. Excusez-moi, vous m'entendez? C'était drôle. Ok, je réatterris ici. Tac. Je tente d'aller dans des endroits qui n'ont pas lieu d'être. Faut que j'aille là. Moi, je viens de là, on est d'accord. J'essaie de comprendre si cet endroit, je le connais en bas là. Je suis pute. Oui, ok, c'est bon, je vois c'est lequel. Wouh! Je me demande s'il y a un truc de l'autre côté. Et en même temps, pas du tout. Ah! Ah, c'est ça la petite cheville qui va tout inverser là. Chargeur de Légion. Let's go! Raccourci qui m'emmène à d'autres endroits. Résultat, je peux pas aller plus haut. Ok. Ok, on a le raccourci. Le plus dur est fait. Le plus chiant est fait. Tu le sens que là, la planche. Non, c'est bon. Pierre de croissant de lune, ok. Résistante ces vitres d'église, hein. Ok, bon bah je sens que c'est un truc de boss et là j'ai débloqué le raccourci. Cette salle est beaucoup trop grande. Et en même temps, assez petite pour contenir un lézard. Ou l'archevêque. Poussière de chat, bonjour. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok, il va être chiant. Que je me le fasse sur les côtés. Ça va, c'est un abruti mais ça va. Il tape fort.
Ah ouais. Ah ouais. Faut que je le passe. Et je le passe pas. Quel plaisir. Ok, mon nez le skip. Tout va bien. C'est marrant que ça crée deux skips, ça crée un endroit où il n'y a plus de machin, plus de décomposition. Et quelle heure? 22h07, faut... Ah, j'aimerais bien juste atteindre le Stargaze après et m'arrêter là éventuellement. En vrai, j'aurais bien aimé un boss, mais ce sera pour la prochaine fois. Ah, je peux pas rester là comme ça là, alors que j'ai 12 000 et que je suis à deux pas du Stargaze. Oh! Ok. Ça me permet 12 000 points d'XP. Tout va bien. Je suis pas énervé. Je coffre mes XP depuis je sais pas combien de temps, mais je suis pas énervé. Putain de merde. Jeu de merde. Putain. Ah, il fallait que ça arrive à un moment. Ça n'était pas arrivé. Non, il fallait que ça soit sur un truc con. Con as fuck. Au secours. Un raccourci avec des mobs quand même. Heureux, moi je viens de perdre 12 000 d'XP. Non, ça va, pas 12 000. Non, pas 12 000, ça va, j'exagère. J'ai perdu juste 8 000 d'XP. Ça va, pas grand chose. $150,000, quoi. Oh, une jointure. Je pourrais fabriquer le bouclier. C'est rien, ça va. C'est pas du tout 3 heures de farm, quoi. Ça va. Tout va bien. C'est plaisir. Je les ai perdus là. Pour un connard. Il y a des mobs qui sont relous. Hein. Ça c'est le nouveau Blitzcrank. Twazer, c'était ce connard. Non, en fait, ce qui s'est passé, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, je suis mort devant ce connard. En voulant le rejoindre, en prenant le skip, bah, tu vas voir, le skip, en fait, c'est une plateforme. Et bah sauf que la plateforme, quand elle arrive, elle est pas là. En fait, enfin, je sais pas comment dire. Tu vas voir. Et la plateforme, bah je l'ai loupée. En fait, je me suis dit, vas-y, elle va arriver déjà comme ça. Et non, en fait, elle était comme ça. Et en dessous, c'est du vide. Enfin, c'est de l'acide. C'est une cuve de vide et acide. Voilà. Voilà, tu vois, on va la voir. Et donc, je suis mort comme ça. Donc, c'est vraiment connement. C'est toujours connement que ça arrive, de toute façon. Tu vois, là, hop. Et là, elle se redresse. Bah, j'y suis allé trop tôt. Elle était pas redressée. Plaisir. Faut que je finisse, là.
forme de merde. Du fiac. Ah, je peux pas quand c'est déjà... S'il vous plaît, la caméra. Ouais, surtout que je suis mort non plus alors que j'ai survécu, quoi. C'est quand même mort, prendre dans un coin pour casser le pied, quoi. Ouais, voilà, hop. Pas fini, pas fini, pas fini. Faut continuer à taper alors qu'il se relève. Ça le recharge pas. Ah là 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 là. Mon cube il est pas rechargé. Je comprends pas, je croyais que un Stargate je pourrais recharger. Mon cube était pas rechargé, c'est trop chelou. Faut que j'aille au Stargaze. Là c'est bon. Non. Ok. Ok, faut que je lui parle. T'en as plus des carrés. Des carrés. Des carrés. Mon cube ? Non mais t'étais pas là quand j'ai chopé le cube. C'est un cube à souhait. Il me permet de me soigner. Il est proche. Ouais, il est un peu long. Non, ouais, faudrait que j'essaie de lui casser le cul avec autre chose. L'électricité, ça marche pas de ouf. Peut-être que si je change d'arme... Et on va changer d'arme un peu. Ne pas refaire la même erreur. Ne pas refaire la même erreur. Les carrés voliers, il y avait écrit 0. Oui, mais je... Il disait, ouais, on peut le recharger à un Stargaze, mais... Pff, bah, rien fait du tout. Faut que j'aille voir un machin à chaque fois. Et le mec t'en a donné un. Oui, je sais, mais c'est bizarre. Il me disait que je pouvais le recharger pas comme ça, quoi. Enfin si, il m'a dit que je pouvais le recharger comme ça, mais pas que. Regardez-moi le professionnel. Ah, avec cet effet est cool quand même, même si j'aime beaucoup la matraque électrique. Fait un peu plus de dégâts, mais ils avaient dit
L'électricité ça fonctionnait moins sur eux donc. Même si j'aime beaucoup ma matraque électrique. Ah ouais. Je me suis soigné. Je me suis soigné quand il m'a donné le coup, mais je suis mort quand même. Vas-y, dernier try, puis je me casse. J'ai trop tardé là. Je fais que reculer une vitale parce que j'ai la flemme de bosser après. Plus je finis tard le stream, plus je vais bosser tard, plus je vais aller me coucher tard. Ça veut pas rentrer dans mon crâne en fait. ce truc. Il faut que je mange aussi, j'ai rien à manger. Oh, j'ai rien à manger. Juste que je finisse ce problème. Je sais. Je sais. Peut-être que secondaire en plus que je fais là. Et où le VTuber? Ouais, non, mais je sais pas, il a déconné le bouton. Hop. Le tout tuber. Ah, il réapparaît juste là. Les noix. Faut esquiver là. Faut esquiver. Faut se mettre deux popos. Dommage, tu peux pas le backstab. Bah, je peux backstab quand ils sont pas au con. Vas-y, je fais un dernier try là. Ça m'énerve et en plus, il faut que je récupère mon ergo là. J'ai déjà trop perdu. Il manque que dalle quoi. C'est bizarre, il parle pas beaucoup sur son stream. Ah bah vous avez pas vécu les 30 dernières minutes. Attends. Regardons ses beaux yeux bleus. Visage androgyne. Ses beaux yeux sans âme. Bah si, il a une âme. C'est qu'il le change des autres marionnettes. Mais je loupe mes premières attaques. Il m'a bloqué contre un mur, je pouvais rien faire. Finir la VOD là-dessus. Allez, c'est le finito. Non, j'en fais. C'est même pas un boss là. C'est même pas un boss et il me lave le cul là. Ça me casse les couilles. Tu ne vas pas assurer.
C'est le dernier try là, c'est bon. Je vais l'avoir là, là. L'assumer après. Bah, ouais, je sais. Non, j'aurais pu mourir là. Hein. J'aurais pu mourir là, là. En allant un pas de plus, je tombais dans le vide là. Je perdais mes 4000. J'aurais rage quitte. J'aurais fait fin écran de fin. Écran de fin, fin de VOD, fin de carrière. Merde, pourquoi t'es pas mort? Parce que là, cette fois, c'est la bonne. Je m'énerve trop. Je peux pas. Je vais pas. Son seul problème, c'est qu'il gère mal son endu. Elle me prend trop d'endu là, l'attaque. Nickel. 20h23. Bon, vas-y, c'est le dernier, puis j'arrête. Ah, mon endu, j'en ai pas assez. Celle prend la hache. Non. Je vais pas prendre la hache parce que j'ai pas les. Mes stats ne vont pas dans les dégâts de la hache. J'ai des stats mobilité et la hache c'est de la technicité. Donc je suis limité en choix. Je pourrais faire des fusions mais je m'y connais pas en théorie craft. Pour faire un truc assez intéressant. La hache. Et la hache, elle est pas améliorée. 111 plus 34. Et bah, 133 plus 44. BD, c'est du CC. En vrai, ça s'améliore, mais... Ça s'améliore, mais j'ai pas envie de... J'ai pas de thune, ma thune, elle est là. Je l'ai loupé. J'ai un problème de portée aussi en plus d'ambiance. Putain. Genre ça me touche là, tu me touches. Depuis quand tes charges elles sont si longues? Ah! Vas-y, sinon je m'arrête là.
C'est même pas un boss, quoi. Ton endu encore. Mais j'ai pas d'endu, me fais pas chier. Bien sûr, mon endu, je veux bien, je vois bien que mon endu. Mais j'ai envie de finir ça vite. Je vais dire la ouais bah fuck. Fuck, j'ai pas envie de laisser mon XP. Je sais que quand je vais reprendre, je vais vouloir. En fait, le truc c'est que ouais, mais quand je vais reprendre, je me connais que je suis un débile. Donc quand je vais reprendre, je vais vouloir récupérer mon XP. Ensuite je peux me casser. Ensuite je peux faire une technique de pleutre. Et tu peux faire ça. Je crois que c'est en haut. Ah, je vais récupérer mon XP et puis je vais me casser. Oui et non, il change ses patterns sur la route. Stargazer le plus récent. Et bah voilà, et sur ce la rediff, on va s'arrêter là pour vous. Je vous fais des gros bisous salés, désolé. La conclusion est nulle. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas les recettes, les cuisines, fermez la porte. Et moi je vais aller me dessaler. Et bisous.